Bonjour à tous, bienvenue dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage, c'est-à-dire la suite logique du thème passé concernant les préparatifs au mariage. Très ravie, je suis ce matin de vous retrouver encore pour une nouvelle aventure. J'espère donc que vous vous portez bien. Nous également sur la première, nous nous portons à merveille. La gestion des conflits dans le couple, la gestion des conflits conjugaux dans l'Église, c'est donc parti pour le thème de ce matin. Bienvenue à vous. Le pasteur Ankou Saram, dans sa quête d'aider à la restauration des couples, est de nouveau avec nous ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors déjà, quand parle-t-on de conflit dans le couple ou dans le foyer, puisque le thème ce matin, c'est la gestion de conflits conjugaux dans l'Église? Oui. Ok, merci. Merci de m'inviter encore sur ce plateau. En fait, quand on parle de conflit, c'est lorsque les deux partenaires n'arrivent plus à s'entendre. Il y a mésentente sur les conceptions, sur les points de vue. Et il y a des critiques, il y a des querelles. Et bien donc, du coup, lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre, on parle de conflit. D'accord, il n'y a plus de compréhension. Il n'y a plus de compréhension entre les deux. Quel que soit le sujet. Voilà. D'accord. Avant d'aller plus loin, il y a une question que nous devrions ou devions poser la dernière fois, mais faute de temps, que nous n'avons pas posé. Dans le cheminement des deux partenaires pour aller au mariage, il peut arriver que, puisqu'il y a un interdit d'aller à l'acte charnel avant le mariage, mais il arrive des fois que l'un des partenaires ou bien les deux chute par rapport à ce verrou. Alors, il paraît que l'Église, dans cette posture, punit le partenaire en question en le mettant sur le banc. Je ne sais pas si c'est le thème adéquat chez vous, mais c'est un genre de punition. Il est isolé avec d'autres traitements. Qu'au final, il y en a qui désertent l'Église là, frustrés, qui tombent dans la dépression. D'autres même pensent au suicide. Qu'en est-il exactement? En fait, la Bible condamne l'adultère ou la fornication. C'est comme les autres péchés. C'est comme le vol. C'est comme les bagarres. OK? Quand vos deux chrétiens se bagarrent, ils arrivent à des opérations de coups de poing. Par exemple, ils se tapent. Ou alors... un chrétien est surpris, n'est-ce pas, de vol, oui, ou de détournement. L'État, ou bien le service, le reconnaît comme tel, mm-hmm, et le punit. Même quelquefois, il va jusqu'à l'emprisonnement. Mm-hmm. Quand il revient à l'Église, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais l'Église... En principe, oui, l'Église aussi devrait, n'est-ce pas, décourager de tels comportements. D'accord. Je parle en général. D'accord. De tout ce qui est vice. Okay. N'est-ce pas, dans la vie. D'accord. Le vol, les bagarres, et le meurtre et consorts, mm-hmm, l'Église ne devrait pas tolérer ou accepter de telles personnes comme cela sans se mécontenter contre, d'accord, de tels actes. D'accord. Il en est de même par rapport à l'acte sexuel avant le mariage. Lorsque quelqu'un est surpris, n'est-ce pas, il a deux types, hein, il a deux façons de confesser. Quelquefois, quand par exemple, il vous arrive, n'est-ce pas, de tomber dans ce péché sexuel et que volontairement vous-même vous venez auprès des hommes de Dieu pour confesser cela, on vous prend autrement. Mais lorsqu'on vous surprend, par exemple, il advient que. Il y a des preuves que. La femme tombe enceinte et qu'on découvre que la femme est enceinte. Et c'est alors que vous êtes obligé de venir dire que, mais vraiment, à travers votre acte-là, il a la grossesse ou il a l'avortement reconnu par tous. L'Église devrait prendre ses responsabilités. La discipline, nous l'appelons discipline. Ah, d'accord. La discipline, c'est préserver les autres de la même faute. Amener le coupable, n'est-ce pas, à se restaurer lui-même, à comprendre que l'acte qu'il a posé n'est pas un bon acte.
Alors, il doit avoir le remords, se reculer personnellement et prier, chercher la face de Dieu, chercher le pardon de Dieu. Ouais. Montrer à tous les autres que nous sommes des personnes différentes et nous ne menons pas n'importe quelle vie. Oui. Donc, voilà les trois objectifs que nous visons lorsque on met un chrétien sous discipline. Oui. Alors, la mise sous discipline n'a rien à voir avec le banc en question. Ah. Le banc, je crois que... Oui, dans un passé lointain, ça existait. C'est-à-dire, ça dépend de... On isolait la personne, même publiquement, on disait ce qu'elle a fait. Oui, 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 et c'est ce que je dis. Dans un passé lointain, ça existait. C'est-à-dire quoi? C'est comme, vous savez, l'Église, c'est une communauté. C'est une communauté. Quand quelqu'un, quelquefois, le procureur de la République présente certaines... personne, n'est-ce pas, à la télé, comme étant des malfrats ou des criminels, condamnés, oui, en prison pour quelque cause que ce soit. Mm-hmm. L'Église aussi, c'est une communauté. Et quand vous vivez dans cette communauté, il y a certaines pratiques qu'on dénonce publiquement pour permettre à d'autres de ne plus tomber. Donc, tomber dans le même cas. Donc, mm-hmm, c'est ce qui explique ces cas de dénonciation. Ça arrive. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un dans l'Église qui est coureur de jupons. Lui seul, il va avec 3, 4, 5 personnes. Vous n'allez pas le dénoncer? Il faut le dénoncer pour prévenir les autres qu'il y a un cas comme ça dans l'église. Alors, à quoi se méfier? Donc, c'est très important. Ça me rappelle une histoire où le gars, il a eu tellement de copines dans la chorale, le groupe musical. Et puis après, il choisit une autre encore qu'il a épousée dans cette même assemblée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, l'Église doit prendre ses responsabilités. Donc, quelquefois, ce sont des cas par cas que nous, on gère à notre niveau. Oui. Alors, s'il s'agit simplement des couples, peut-être la grossesse est là, ou même si la grossesse n'est pas là et que c'est connu de tous, il faut dans un premier temps faire savoir aux gens, mm-hmm, qu'il a de tels cas. La personne, par exemple, la personne était responsable. Mm-hmm. Souvent, c'est le cas des personnes responsables. Mm-hmm. Elle est responsable dans l'église. Elle a une activité. Elle est impliquée dans cette ingestion. Mm-hmm. Si demain, on ne la voit plus dans cette affaire, mm-hmm, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Donc, il faut maintenant éclairer le public pour dire que si vous ne voyez pas une telle personne à son poste, mm-hmm, c'est qu'il a eu telle action, en tout cas à son endroit, ou contre lui. Voilà, donc... On l'annonce comme cela. Ceux qui le connaissent savent que c'est de telles personnes. Ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, ça se termine là-bas. Et donc, la personne est retirée, ses activités lui sont retirées. Ses responsabilités. Ouais. On retire ses responsabilités. Mmh. Et puis, il perd une partie de ses droits dans l'Église. Une partie de ses droits, les certains accompagnements qu'on lui faisait, pour un temps, hein, c'est pas de façon indéterminée, pour un temps. Par exemple, la personne n'assiste plus, ne participe plus à la Sainte-Cène ou à la communion. Mm. Donc, elle vient à l'église quand même, mais s'il y a communion, elle ne participe pas. Et si elle devrait, n'est-ce pas, avoir part, n'est-ce pas, à quoi? Un poste. Oui, à un poste, là, on le retire, ce poste. Donc, on change la personne, elle n'est plus apte à occuper le poste qu'elle occupait. Donc, voilà, en quelque sorte, les dispositions que nous prenons. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu trop sévère? Puisque quand on dit église, c'est une image de miséricorde qu'on sous-entend. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus doux, plus dignes de ramener cette personne sur la bonne voie? Est-ce que vous croyez en enfer? À l'existence de l'enfer. Bon, ici, c'est moi qui pose les questions. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Si Dieu, oui, le plus miséricordieux, a créé, oui, l'enfer pour les impies, oui, oui, nous devons montrer aux gens que sur la terre également, ils doivent faire attention pour ne pas aller là-bas, en enfer. Donc, c'est simple. C'est l'Église, la miséricorde veut aussi la justice. Oui. Voilà, donc, il faut aussi la justice, il faut aussi la droiture, il faut aussi prévenir les autres. Mm-hmm. Vous savez, on arrive même à excommunier des gens de l'Église. Oui, oui. Voilà, oui, donc, entre, oui, excommunier et discipliner. C'est pas vous grande différence. Hein. Oui, voilà. Donc, nous pensons que c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire à quelqu'un. Pour protéger les autres. Et lui-même aussi, oui, l'aider à pouvoir revenir à lui-même et à ne pas s'amuser avec la vie. Wow. Alors, maintenant, l'autre question est que lorsque les deux,
partenaire passer à l'acte. Et vous avez donné un exemple tout à l'heure. C'est peut-être quand il y a grossesse que vous savez qu'il Voilà. faisait la chose depuis. Et donc, quand il n'y a pas grossesse, peut-être on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. Lorsqu'on le sait, il y a preuve que les gens sont au courant qu'il se passe quelque chose avant le mariage. Est-ce que le fait de le savoir là empêcherait-il maintenant la célébration de ce mariage? Le pasteur va refuser de célébrer le mariage. Le mariage serait-il annulé Non. parce qu'ils ont commis Et l'acte? souvent, il y a, nous avons des procédures. Quand on parle du mariage, il y a trois types au sein de l'Église. Oui. On a le mariage entre des Oui. fiancés qui ne se connaissent pas sexuellement. Ils D'accord. suivent les procédures normales pour aboutir au mariage. Et là, cette étape. D'accord. Il y a également l'étape de la régularisation de ceux qui se sont mariés avant de venir à l'église. C'est-à-dire, comment ils se sont mariés avant de venir à l'église? On parle. Certains, les païens, vous avez des D'accord. couples païens qui se Oui, convertissent. les concubins. Non, les mariés, ils sont Ils sont mariés. mariés. Bien sûr, Ah, c'est-à-dire, d'accord. oui, parce que Donc quand ailleurs, alors. il a demandé la main à sa femme, La dot, ça a il a été fait. payé, il a célébré le mariage à l'état civil, il a le papier. Ok, Ils sont mariés. d'accord. Donc l'Église régularise leur situation quand ils viennent en Christ. Ok. L'Église régularise leur situation. S'ils le veulent, ils viennent à l'Église, ils trouvent un temps. Et puis on fait la régularisation de leur mariage à l'Église. D'accord. Maintenant, la troisième forme de mariage, c'est le cas dont vous venez d'évoquer, deux jeunes qui, en tout cas, ont promis se marier, n'ont pas suivi les étapes avant de se connaître sexuellement. Ils viennent confesser ou ils sont surpris. On leur pose la question, est-ce que vous continuez de vous aimer pour arriver au mariage? Ils disent oui. D'accord. Pendant leur période de discipline ou de sous-discipline, il leur est demandé, n'est-ce pas, de poursuivre les étapes, de parfaire, n'est-ce pas, le chemin. D'accord. Alors, ils vont, s'ils n'avaient pas payé la dot, ils s'en vont payer la dot. S'ils n'avaient pas célébré le mariage à À la l'état mairie, civil, à la oui. mairie, ils s'en vont. Le faire. Ils font le certificat à la mairie. Et maintenant, Ils ils reviennent à reviennent. l'église et l'église, maintenant, les remet en état. N'est-ce pas? D'accord. L'église célèbre leur bout, les bénit. L'église les D'accord. bénit lorsque les deux sont réunis. D'accord. Et lorsqu'il y a grossesse, on attend que la femme accouche et Ah. que, oui, les procédures aussi sont réglées. Et puis maintenant, on régularise le mariage dans l'église. Ah, mais nous, on aurait appris que plutôt, quand la fille ou la femme tombe enceinte, c'est là qu'ils précipitent le mariage pour que les gens ne soient. Ne sache pas. Oui. Et quand ils finissent de se marier, après quelques semaines, quelques mois, on voit le ventre qui commence par sortir. C'est là, quand les gens voient bon, du moins l'état de la femme, ils comprennent que Il la avait quelque grossesse chose. était En déjà fait, là. oui, de tels cas, c'est qu'ils l'ont fait à l'insu des Des responsables profs. ecclésiales. Ok. S'ils le savent, ils ne vont jamais accepter célébrer le mariage pendant qu'il est à la grossesse. Wow. Donc, C'est qu'ils le font à l'insu. ils doivent attendre. Ils doivent attendre. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce que souvent nous faisons? Même le dernier jour, le matin, là, avant que la fille ne soit en robe de mariage, on fait le test de grossesse. Pour être sûr. Pour être sûr qu'il n'a rien. Ok. Wow. Actuellement, c'est ce qui se fait. Parce que les jeunes sont tellement très malins et ils veulent jouer. Donc, le dernier jour, si vous n'acceptez pas qu'on fasse le test de grossesse, C'est que c'est pas alors, normal. donc, ce n'est pas normal. C'est pas clair. Oui, ce n'est pas D'accord. clair. Wow. L'église devient en quelque sorte une police là. Oui, bon, l'Église, en Bon, réalité, ça doit être. Oui. vous savez qu'en dehors de l'armée dans la nation, Oui. La seconde. La seconde structure Oui. disciplinée, c'est Oui. l'Église, Oui, en je sais. fait. Oui. Oui. D'accord. Maintenant, puisque nous parlons de gestion de conflits, quels sont les motifs de conflit que vous rencontrez souvent lorsque les couples viennent vous voir pendant leur mésentente? Ça dépend. Ok. Il y en a tellement, toute une panoplie qu'on ne peut même pas Du ici. moins les plus fréquents, Les plus. ceux qui sont susceptibles de désagréger les couples. Ouais, je vais donner peut-être deux ou trois. D'accord. La première source de conflit dans le foyer, ce sont des incompréhensions liées au caractère De chacun. de chacun. Lorsque vous ne vous êtes pas bien étudié au départ,
Vous allez trouver des comportements déplacés des uns et des autres. Simple critique sur la tenue que l'on porte peut engendrer des mésententes. Je n'aime pas cette tenue de ma femme. Chaque fois que je lui dis de changer, elle ne peut pas. Et vice-versa. Et pourtant, ils ont eu un temps de cheminement, non? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont appris pendant ce temps? Oui, voilà, c'est là le problème. Souvent, on l'a dit avant-hier, des gens se cachent. Ils n'aiment pas ça. Ils n'ont pas sorti leur vraie physionomie. C'est ce que je disais la dernière fois, qu'il y a de ces gens-là qui conseillent souvent aux femmes, quand on cherche un mari, de dire que fais doucement, doucement, il va te prendre. Après, tu vas montrer qui tu es. Et je disais que moi, pour moi, c'est une sorte de manipulation. C'est parce que dangereux. Autant montrer qui tu es dès le départ. Si la personne t'accepte comme ça, vous avez une chance de réussir. Au lieu de montrer un autre côté. Il y a aussi les hommes qui font ça. Hein. Ils te montrent une autre face pendant que vous étiez en cheminement. Il suffit qu'ils mettent la dot. Tu t'en vas rester chez lui pour voir des facettes de cet homme. Vous n'allez jamais imaginer qu'il a ça en lui. Pourquoi? C'est ce qui est dommage. En fait, vous savez, le mariage est semblable à un travail de forge ou de taille. Quand vous voyez, par exemple, un pilon ou un mortier, il n'y a pas dans une forêt où on s'en va, on trouve un mortier. C'est un bois qu'on coupe et on vient, on taille à sa façon. Oui. C'est la même chose. Quand on a vu la qualité du bois, et on sait que ce bois peut faire le mortier. Oui. On a vu la qualité du bois, ce bois peut faire le pilon. Et on s'en va, on coupe le bois. Et on vient à la maison, on taille le bois pour avoir la forme qu'on veut de ce bois. C'est la même chose par rapport au mariage. Il suffit de connaître en la personne, de voir certains indices que tu veux, certaines qualités que tu veux en la personne, elle ne sera jamais parfaite. Tout comme toi aussi, tu n'es pas parfait. Ouais, ouais. Voilà, donc, c'est vice-versa. Vous n'allez jamais trouver une femme parfaite, ni un homme parfait. Mais il a en lui des qualités à, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, émonder. Qui répondent à l'idéal de chacun. Justement. Maintenant, le reste des choses, il faut maintenant travailler cela à deux. Ouais. Il faut également travailler cela personnellement. Lorsque tu vois que ton partenaire n'approuve pas Certaines choses en toi, alors essaye, n'est-ce pas, de revoir ta vie. Il faut quand même te surmonter, te supplanter par rapport à certaines actions. Et il en est de même, toi aussi, il faut demander à ton partenaire, aide-moi à me corriger. Alors, il faut qu'il y ait l'humilité, l'acceptation pour que cela puisse se faire. Surtout le manque d'orgueil. Oui. Il faut éliminer l'orgueil de sa vie lorsqu'on est à deux. Oui. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait que souvent, on a des, par rapport à ce premier cas de, comment on dit, de mésentente, lorsque il a incompatibilité de caractère et on n'arrive pas à se gérer, il a ce problème-là qui sévit. D'accord. Le deuxième cas, c'est l'infidélité, le mensonge, le fait de tromper son partenaire. Ça fait du mal à chacun. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'aimerez jamais que la personne vous trompe. La femme qui sort avec un autre homme ou l'homme qui sort avec une autre femme, c'est source de conflits permanents que souvent nous rencontrons. Alors, il est important que les gens puissent le connaître. Et lorsque tu acceptes une personne comme faisant partie de ta vie désormais, s'il te plaît, il faut tout faire pour qu'elle soit la seule personne de ta vie. Pourquoi les hommes, ils pensent qu'eux, ils sont autorisés à l'infidélité et pas la femme? Oui, souvent c'est la culture. Souvent c'est la culture. Vous voyez, dans la culture africaine, dans la plupart des temps, la polygamie est autorisée, mais la polyandrie n'est pas autorisée. Oui. Et c'est ce qui fait même que l'homme, c'est à l'homme de demander la main à sa femme dans le contexte africain. Alors qu'ailleurs, cela n'est pas le cas. C'est pourquoi ailleurs, que ce soit l'homme ou la femme, vous allez vous attendre sur la manière, la vie que vous voulez. Si c'est la monogamie, attachez-vous à la monogamie. Voilà, ça s'arrête là-bas. D'accord. Donc, notre culture joue en défaveur des femmes. Des femmes. Oui. Et c'est vraiment ça un problème. Ça fait qu'il y a des hommes qui baignent dans l'infidélité. Ils ne leur disent rien. Oui. Pourtant, ils ont prêté serment devant Dieu. Gare à eux, gare à la femme, là, si un jour elle est surprise. Ça ne passe pas. Vous comprenez?
Alors, pasteur, quelle place tient la notion d'âme sœur dans le couple, dans l'Église? Je veux venir à ce fait que on peut trouver un couple vieux de 30, 20 ans, 30 ans, et contre toute attente, parce qu'il y a eu des cas, hein, je suis sûr que beaucoup connaissent des cas dans leur entourage, des couples exemplaires, mais qui n'imaginaient jamais voir séparés, mais qui se sont séparés contre tout temps et tout attente. Chacun de son côté refait sa vie et réussit là-bas jusqu'à la mort. Alors ma question serait celle-ci. Est-ce que pendant tout ce temps que j'étais là, 20 ans, 30 ans, là, je n'étais pas à la bonne place avec la bonne personne? Je n'étais pas avec mon âme sœur peut-être? Puisque si après, peut-être, j'arrive plus à me marier, à me stabiliser, là, on peut dire que j'ai raté peut-être ma femme ou mon mari. Mais lorsque chacun, après tout ce temps, se sont séparés, chacun arrive à refaire sa vie jusqu'à terme, là, il y a question à se poser, non? Oui et non. Oui et non, parce que l'âme sœur se définit très tôt dans la vie d'une personne. L'âme sœur se définit très tôt dans la vie d'une personne. Le reste des cas, ce sont des ratés. Ah, là, vous nous amenez à l'école, là. Expliquez-nous. Lorsque je suis jeune et je dois entreprendre le mariage, alors je dois réfléchir sur mon âme sœur. Je dois prier, si je suis chrétien, par rapport à cela, sérieusement. Demander à Dieu, qui est l'auteur d'ailleurs du mariage, de me conduire d'une manière de mon âme sœur. Il va te conduire vers ton âme sœur. Et là, quand il te conduit vers ton âme sœur, cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème. Ouais. Très important, tout comme on le dit souvent, entre la dent et la langue, les dents et les langues, à la langue plutôt, ça se blesse. Ouais. Mais ouais, on est ensemble. Ouais. On dit également que deux calebasses sur l'eau n'évitent pas de se cogner. Oui. Ça arrive. Quand vous êtes deux, de différentes cultures ou de différentes familles, de religion même, hein? De différentes mêmes choses, il a toujours cette histoire de, comment l'appelle-t-on, de choc, qu'il faut gérer. D'accord. Et lorsque vous n'arrivez pas à gérer ces chocs, quand bien même c'est ton âme sœur, tu risques de craquer un jour. Okay. Et c'est ça qui arrive souvent. D'accord. Et l'âme sœur également ne veut pas dire que c'est exempte de certaines difficultés de la vie. La personne peut être ton âme sœur, mais vous n'allez pas avoir d'enfant, par exemple. Wow. Oui, vous pouvez être, c'est ça le plan de Dieu. Vous êtes destinés l'un à l'autre. L'un à l'autre. Mais il y aura un manquement dans votre mariage par rapport, soit c'est des moyens financiers, la santé, enfant, mais vous êtes quand même appelés à vivre ensemble. Et souvent, quand on n'a pas la patience, on n'a pas ce cœur de supporter, d'accord, n'est-ce pas, on risque de craquer un jour. Parce que c'est une pression. C'est une pression. Ouais. Oui, voilà donc, l'âme sœur dépend également de la personne qui l'accepte par rapport à sa maturité vis-à-vis du plan de Dieu dans sa vie, de la manière dont elle connaît Dieu. Si tu connais Dieu suffisamment et tu comprends que la vie chrétienne ou la vie à deux n'est pas une voie rectiligne tracée, on supporte et on attend patiemment. On prend cela comme Jésus l'avait dit, prenez mon joug qui est doux, c'est-à-dire un fardeau, un poids qui est doux. Oui, donc joug. Prenez cela. Si Jésus y est, eh bien c'est léger, tu peux arriver au bon port. Mais si tel n'est pas le cas, ça choque. Certaines personnes également, malheureusement, ils ont fait aventure seulement dans leur vie sans une étude préalable. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils rentrent dans les histoires d'amour comme ça, sans vraiment. Comme cela, il a vu seulement l'apparence de la personne. Ça lui plaît. Il s'est contenté de voir son bien-être, son aisance, et il s'est accroché. Aujourd'hui, c'est le paraître qui attire les hommes. Hein. Justement. Juste le paraître. Le paraître. Donc, on se marie par intérêt, on se marie par, n'est-ce pas, ce n'est pas par amour, en fait. Pas pour le regard de la société. Justement. Donc, ça pose un sérieux problème. Quelquefois également, c'est les parents qui ont influencé ou à imposer cela. Ça pose un sérieux problème. Wow. Donc, ça fait que quand la personne, à un moment donné, arrive à s'émanciper en quelque sorte, à sortir, n'est-ce pas, de ce joug parental où ses yeux tombent,
alors ça ne marchera plus. C'est-à-dire il s'éveille. C'est pas ce qu'il voulait. Justement. C'est pas ce qu'elle voulait. Et quelquefois, malheureusement, dans le monde païen, certains se marient par mysticisme. Hein, il envoûte la personne. Soit il envoûte le garçon, ou il envoûte la fille, et il l'épouse, ou elle l'épouse. Mm-hmm. Mais en chemin faisant, 5 ans, 10 ans, même 20 ans, quand les effets de ce produit auraient terminé, la personne voit clair et elle coupe le lien. Elle dit, si c'est comme cela, je ne peux plus supporter. J'ai compris maintenant que ce n'était pas ce devoir. J'imagine la réaction. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, voilà, justement. Non, ça arrive. Ça arrive. Donc, vous comprenez un peu. Donc, il a ses cas. C'est pourquoi on ne peut pas tout à l'heure définir à quand l'âme sœur. Ouais. Voilà. Donc, c'est peut arriver dans la vie d'une personne. Justement. Mais il faut réveiller spirituellement, être mature. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous les conseillons de prier beaucoup avant de s'aventurer. D'accord. Pour éviter donc ces conflits dans le couple, que doivent savoir chacun des partenaires avant de décider de se mettre en couple, avant même d'y aller au mariage? Que doivent être chacun de son côté avant de venir se mettre ensemble? Je pars sur le principe biblique pour demander aux uns et aux autres de comprendre que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un essai. L'on peut avoir dans sa vie plusieurs métiers à son actif. Ouais. Il apprend ceci, ça ne va pas, il change de métier, etc. Et finalement, il se retrouve avec un autre métier. Ouais. Dans la, ça existe. Mais dans le cas du mariage, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas essayer. Penser, essayer, si ça ne va pas, je vais changer. Donc, c'est pourquoi il faut être d'abord responsable. Décider que lorsque je m'aventure dans le mariage, c'est sur un chemin de non-retour. Donc, on doit savoir ce qu'on veut exactement. Ce qu'on veut exactement. Calculer. Regarder la personne qui me tend la main. Vice-versa. Voir si je peux finir mes mes jours avec la personne. Est-ce que tout est en règle? Aujourd'hui, nous avons également les conseils sanitaires qu'on nous oblige ou qu'on nous amène à comprendre. C'est-à-dire que lorsque je vois une soeur ou je vois un frère qui me plaît, je veux l'épouser, je vais examiner certains préalables. Un, voir si je suis compatible avec lui par rapport à... Côté sanguin. Au côté sanguin. Oui. Par exemple, vous êtes AS et vous prenez un année AS, vous risquez de faire des enfants SS. Et ça pose un sérieux problème. Oui. Donc, ce sont des préalables. Je me connais. Et peut-être que sur le plan morphologique, je souffre de certaines pathologies, au niveau sexuel, par exemple. Et je ne peux pas épouser une femme. Je ne vais pas la maltraiter en l'épousant si je me vois... Je ne me vois pas apte. Mais il y a de ces cas aussi dans certaines églises que les gens ont dénoncé en complicité du pasteur ou bien du leader spirituel qui ont camouflé tout ça et puis ils l'ont attribué des femmes. Ils se sont mariés, c'est après la femme, elle souffre et découvre que le monsieur a telle main. Il y a beaucoup de gens qui savaient ça dans l'église, mais ils ont fait une complicité, ils l'ont mise dedans. Et ça, le mariage ne se bâtit pas sur le mensonge. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il vaut la vérité dès le départ. D'accord. Et maintenant, le troisième cas ou le troisième domaine où il faut vraiment faire attention, c'est que l'homme doit se connaître suffisamment. Vous savez, les hommes sont nombreux comme les femmes sont nombreuses, mais tous ne vont pas se marier. Oui, oui. Ça, c'est très important. Oui. Si tu sens en toi que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour rester avec quelqu'un, ne t'engage pas. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Mais aujourd'hui, la pression de la société fait que tout le monde veut se mettre en couple, tout le monde veut se marier. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Il y a certains hommes qui n'ont pas. Ça dit qu'ils ne peuvent pas vivre avec une femme. Et son caractère-là, c'est pas la peine. Il ne peut pas. Et là, on a aussi des femmes qui ne peuvent pas vivre avec des hommes. Alors, c'est pas la peine de vous gêner. Restez là où vous êtes et attendez-vous à finir votre vie seule. Bon. Et puis ça va. Mais en Afrique, c'est pas aussi aisé. Hein. Tellement on va parler de toi, tellement on va te traiter de sorcier, sorcière. Vous n'avez pas vu qu'il ne se marie pas, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. C'est-à-dire, ce sont ces pressions-là qui, au fait, aujourd'hui, font que certaines forcent à aller dans ce sens. Sinon, il y en a plein aujourd'hui qui décident volontairement de ne plus se mettre en couple. Hein. Oui. C'est-à-dire, si je me sens bien toute seule, ben, je ne sais pas pourquoi je vais m'encombrer d'une relation qui ne m'est pas. Le mariage exige de vous une certaine humanité. Un don de soi. Un don de soi. Et
comprendre l'homme et avoir le sens humain. C'est-à-dire que une personne doit vous être chère. Oui. Comme vous-même. Hein. Comme vous-même. Le fait de lui donner une place dans ton cœur, ce n'est pas permis à n'importe qui. Oui. Le fait de donner ça, la clé de son cœur à une autre personne, cela n'est pas donné à n'importe qui. Le fait d'accepter les caprices de l'autre, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est important le mariage. Nous le disons toujours. Vous allez voir, les statistiques ont montré en Europe que sur 10 couples, 5 terminent en pas divorce. 3 terminent dans la misère. Sauf deux seulement qui arrivent au bon port. Wow. Donc, vous comprenez? Donc, pour 10 couples mariés, seuls 2 réussissent leur mariage. Ce n'est pas une question d'amusement. Ce n'est pas une question d'amusement. Aujourd'hui, vous allez trouver dans certains couples, soit c'est l'homme ou la femme, il accepte l'autre à cause des enfants qui sont parmi eux. Oui. Sinon, le mariage, le divorce est consommé depuis, mais ils sont ensemble à cause des enfants. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui de se marier. Il faut réfléchir par rapport à cela. Et puis... Et là, c'est des souffrances, hein, parce que je reste par rapport à quelque chose. À quelque chose. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas gay, là. Je ne suis pas là pour, parce que je t'aime ou bien qu'il y a l'harmonie. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention et se marier selon la volonté de Dieu, aimer le Seigneur aussi. Donc, faire en sorte, les chrétiens, nous leur demandons d'aimer plus le Seigneur, parce que le mariage a un côté sacrificiel. Oui. Un côté sacrificiel. Ah, écoutez, c'est quand vous dites. Et puis, c'est un sacrement. Oui, c'est aussi un sacrement. Oui. Donc, il a le côté sacrement que l'Église donne, oui, mais il a aussi le côté sacrifice que l'homme aussi donne à son partenaire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Merci de nous avoir édifié sur la vie de couple qui, désormais, est votre outil de bataille. Dans ce cadre de restauration, comment vous appelez le cadre? École de guérison et de restauration des foyers. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eh bien, cette émission vous sera rediffusée la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche à 5h15 et à 11h. Nous, on se retrouve ici pour un nouveau numéro de l'Église aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine. Bon appétit à vous.